Bienvenue sur ma chaîne, nous sommes sur LibreOffice, la version 24.2.0.3. Alors, je vais juste vous présenter une fonctionnalité qui est nouvelle et qui permet en fait de mettre en évidence les colonnes et les lignes. Donc là, quand je sélectionne une cellule, nous avons la colonne E qui s'affiche par exemple ici et la ligne 6. Et si on souhaite avoir une sorte de sélection sur toute la ligne et toute la colonne. Vous avez la possibilité maintenant, en allant dans le menu Affichage, Mise en évidence de ligne colonne. Alors là, il s'active pas, mais dès l'instant que vous avez cliqué à nouveau, il va vous permettre ainsi, comme ça. Donc, si vous écrivez quelque chose, ça marche toujours pareil. Ça permet simplement de mieux repérer. Alors, c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise. Comme ça, donc évidemment, si on est loin de tout, hop, ça marche aussi bien. Voilà, c'est juste une nouvelle fonctionnalité donc qui vous permet, alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien sûr. Alors, vous l'avez dans le menu affichage, donc en décochant ici, on désactive, donc on clique à nouveau et là, ça se désactive. Vous allez dans Outils, Options. Outils, options et vous descendez dans calque affichage. Donc, si vous avez un plus devant LibreOffice Calque, vous cliquez sur le plus pour que ça devienne moins et ça déplie un peu. Et là, vous avez dans affichage la même chose que tout à l'heure. Donc là, je vais recocher mise en évidence de lignes et colonnes. Je fais OK et là, comme par magie, ça revient comme tout à l'heure. Donc là, quand vous allez dans affichage, vous pouvez aussi, c'est peut-être beaucoup plus rapide. Le découcher, ainsi de suite. Voilà, ça va être une petite vidéo. Si vous avez trouvé intéressantes mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmeek. Et sur ce, je vous dis à bientôt.